C'est parti les amis. Et salutations à tous, ici le Myope en direct de Cabal TV. J'espère que vous allez bien parce que ce soir il y a du Blood Bowl à la télé. On va affronter l'excellent Mairi avec ses elfes noirs en saison 20. C'est la journée 5 de la Belgium Bowl. Et ça sera face à Menergul. Des elfes noirs a priori qui s'en sortent bien puisqu'ils font partie des plus hautes TV actuellement. Pour nous, ce qui est bien, c'est qu'il a un blessé. Donc ça va être plutôt bien, il va jouer en 11. Il aura une Fury Block bon qu'il va falloir garder à l'œil. Enfin, le bon, elle l'a naturellement, mais ça, vous l'aurez compris. Il a deux Bludgers, il a un Tackler. Donc voilà. Ma foi, ça fait une belle équipe. Nous, on n'est pas très loin derrière. On a 11 joueurs, là-dessus tout va bien, on a 140 de TV. Donc on a assez pour s'acheter une relance. Ce qu'on pourrait faire, mais ce qui ferait monter drastiquement la TV, donc on ne va pas le faire sur ce match-là. On a deux blocs, on a un tackler. Même s'il ne va pas très vite, on a un tackler quand même. On a deux pestis qu'il va falloir faire pexer maintenant assez vite. Et ça serait bien que notre Schtroumpf en bête de Nurgle fasse sa troisième blessure en fait. Tout simplement. Tout simplement. On va encore faire quelques petits réglages pendant ce temps. Hop. J'ai besoin que ça soit aussi gros. Voilà. Est-ce que j'arrive à faire ça? Non, j'arriverai pas à faire ça. Oh. J'aurais préféré faire différemment, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va garder ça du coin de l'œil. Voilà. Disable preview. Et on sera pas mal. Mairi en ligne, il nous rejoindra pas en vocal. On va se tenir prêt et on va lancer le match. Je vais dire moins le quart. On est presque à l'heure. On est presque à l'heure.
Peut-être qu'il n'est pas encore devant son PC. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça a l'air de fonctionner. L'invitation n'a pas été acceptée. On va patienter encore un peu du coup. Ah, ça y est. On accepte bien sûr l'invitation. Notre adversaire est en train de choisir. Il ne va rien prendre. Nous, on a 30K. Ma foi, est-ce qu'on ne dépenserait pas 20K? Si. On pourrait dépenser 20K, c'est pas trop grave. Ouais. On va jouer la sécurité. L'uniforme officiel de la Belgian qu'on ne présentera plus. Face à ces elfes noirs. Aka les Dark Elf. Lancement de la pièce pour le toss. Suspense. Bon. Il fait beau. On va taper. Ficher les compétences. On va bien voir ce que ça donne. Coucou Burpawa. Sois le bienvenu. Comment vas-tu? Alors, comment on va contenir ces elfes noirs? Je pense qu'il va juste falloir leur briser les jambes. Je crois qu'il va y avoir que ça. On frappe là, on frappe là. Vriya NFL. Classico classique, on a notre chèvre ici. Toi tu vas venir ici. Faudrait quand même que j'ai un pourri de réserve, je pense.
Si jamais il y a un blitz. On va même essayer de jouer un petit peu plus haut que d'habitude. On va pas jouer si haut parce que ça reste des elfes. Ça reste des elfes. Bon, on frappe comme ça. On fera le blocage à la bête. Et après, on peut essayer d'y aller. Au niveau des SPP, on a un Agra, le porte-pièce, qui pourrait faire des choses. Bon, allez, on va valider comme ça. Eh, bon match, Mary. Bon, on a une météo clémente. C'est un kick profond. Ouais, ça va. Ça va, ça va. On va le garder ici, sous la bête. Bon, l'entame de match, on va pas se mentir, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Je peux t'attendre, toi, avec un GFI, hein. C'est l'heure d'amasser la belle. On va passer, c'est loin. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé frapper ici, mais... on quadrille le terrain, donc... Non, après c'était pas vraiment le moment de sortir un 1, mais bon, on choisit pas toujours. Après on va se dire heureusement qu'on n'a pas frappé l'un dans l'autre. Bon, normalement t'es toujours ultra loin. Donc on peut laisser voir venir les choses, on a un peu de temps. C'est pas ultra pressé. Bien sûr qu'il va essayer d'aller s'en prendre au pourri. Après, si tu crois que je vais pas faire les 1D, eh ben t'as raison. On va essayer de pas faire les 1D. Pas se précipiter sur la relance à chaque fois que ça se passe mal. Allez, c'est parti au blitzer, tu seras en bout de course. Donc je vais te tomber sur le coin durable. C'est tout. Ha!
Reste avec nous, Pimpin. Oh, la sagesse voudrait que... La sagesse veut que d'abord on relève celui-là. Ensuite on va buter avec celui-là. Petite blessure? Non, pas de blessure. Pas de blessure. La bête, elle peut pas frapper à 3D. Ensuite, un massage à 3+, ça c'est fait. Toi, je te garde ici. Ça va y aller comme une fusée. Je pense que lui j'aurais dû l'avancer encore d'une case, mais bon, c'est pas grave. Allez, le but c'est ces deux-là, en fait on les frappe jusqu'à ce qu'on les sorte. On peut jouer au ping-pong avec les trois blocs là. Ça, normalement, ça te fait toujours qu'un dé, hein. T'as le 2D ici. Alors, ok. Tu veux absolument venir frapper.
Ouais, t'as pas vraiment de choix, hein. Ça va, on s'en sort bien. Ouais, t'aurais pu me pousser et venir me blitzer après, hein. Bon, ça t'obligeait à faire une esquive ici, mais... Il y a la furie aussi à attraper. Non, copain. Ah, mais non, il fallait rester avec nous. T'étais bien. T'étais bien là. Bon, il y a le tacleur qu'il faudrait garder, mais comme mes chèvres ont pas pexé, pour l'instant elles ont pas esquive, donc on est relativement serein. Ok. Ok. Alors. Toi tu te relèves. Non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Si j'y vais comme... Non, il faut pas que j'aille comme ça. Sur le bloc. Si je fais ça, je vais me faire blitzer en fait. Et ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. En revanche, allez, on va y aller comme ça. L'idée c'est de détenir eux. Pilier de cage, est-ce qu'on veut faire autre chose? On va rien faire d'autre, on va le laisser venir. Il nous reste 4, 5 tours. On tient ses blitzers.
Bon, après, on peut prendre cher, hein. Ouais, il va falloir que t'esquives, hein, mon grand, là. Il va falloir que tu fasses des jets d'esquive. Bon, bah ça touche. Bon, tiens bon. Là, ça va faire un trou. Ok. C'est faire. Donc, somme toute logique, tu vas venir attaquer ici. Là, encore une fois, ça réussit. On peut venir blitzer là. Non, ça aurait été mieux si ça avait tenu. Là, on est un peu dans on est un peu dans le mal du coup. Au double pot. Allez, tiens mon briquet. Ok. Petite esquive. Oh, ça marche. Ça marche, bon bah très bien. Très bien, très bien. Ça en relève. Ça en relève. Viens recourir ici. Ça peut tomber.
Ouh, la belle bébête qui veut bien bouger. Toi tu peux y aller, hein. Toi tu peux tomber. Je suis pas ultra rassuré en vrai. Si je veux. Toi, tu viens ici. Ah, je suis bête parce que là il y a le 2D, en fait il fonce. Voilà. Et donc il va tenter le 1D sur la balle. Poursuit bien évidemment. Ah non, tu t'en fiches en fait, effectivement. Ah, tu vas te replier. Il va se replier. Ok. Ok, bah quelque part ça m'arrange. Ces deux-là, ils sont libres, c'est pour ça qu'il y a 2 dés. Ok. Moi, je veux bien, hein, mais attention, hein. Ouais, c'est le moment de faire une répulsion. Non. Oh, il y a bloc. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est un joli indé, mais c'est pas la bonne nouvelle. Il va falloir relever la bête, ça m'ennuie énormément.
Aïe, 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 là ça va pas du tout là. Là ça va pas du tout. Mais bon, il bouge pas donc. J'ai relancé l'esquive. Non mais t'as tout joué ça donc Enfin après je sais tu regardes tes zones de tacle. Ok. Allez relève-toi. J'ai vraiment besoin que tu te relèves. T'es qui toi? Ouais, tout ça, ça fait... Mais bon, on l'a vu, les indés, hein, ils font des choses. Ils font des petites choses, donc...
Alors, ce qui serait bien après, c'est qu'on lui fasse quand même quelques petites sorties. Ça, hein. Tu veux que tu esquives ici. Toi, il faudrait que tu viennes par là. Toi, il faudrait que tu viennes pousser ici, foutre le bordel là. Je peux même venir essayer de taper ici. Ce qui pourrait te rapprocher de la balle. Ouais, j'étais. Je pense que je t'ai pas mal coincé, mais je pensais être t'avoir mieux coincé tout à l'heure et les doubles pots ont quand même changé considérablement la donne. Donc, enfin pas tous les doubles pots, il y a eu un double pot et des pots après. Mais... Ouais, t'as pas le choix, mon petit mère, il va falloir te décoller. Ça va être dangereux si tu comptes buter à la furie, ce pauvre pourri. Ah oui, tu peux le faire comme ça, effectivement. Effectivement. On pousse. On décolle. Ah non, tu veux carrément repousser la bête. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Je pense ici que je serais pas venu coller pour pas venir coller à la bête. T'avais bloc. Ah, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon, on rate le prochain match, c'était vraiment pas une bonne nouvelle. Bon bah voilà, comme quoi je pensais le tenir et... Et en deux tours ça s'est transformé en autre chose. Bien. C'est intéressant. Alors, on va pas le faire comme ça. Faire comme ça. Furie, elle est là, elle est au contact.
Ouais, ça on sait, hein. Salut Brickit. Ça on sait qu'il peut le faire. Mais là, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'avance parce que sinon, je vais me faire enfumer. Déjà que là, je suis déjà super mal. J'aurais dû bloquer et courir, mais après, j'avais. Quoique, non, j'aurais dû faire ça en fait. Parce que là, je vais me faire elfiser et je vais le regretter amèrement. J'avais moyen de passer. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. J'ai perdu un tour bêtement là. Il aurait fallu que je fasse ce tour-là avant, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ah, ça c'est la relance qui va bien. Ok. Encore un petit 1 là. Encore un petit 1. Non, pas de petit 1. Dammit. Et c'est le passage d'armure, autopousse et KO. Et là, c'est le drame. Quel endroit j'ai merdé. Et ben j'ai merdé au fait que j'aurais dû avancer parce que oui, il y avait le blitzer, mais ça lui faisait qu'un dé, tout le reste était tenu. Ça m'apprendra. On a voulu jouer trop conservateur. Essaye de rester avec nous, toi. Ouais, les tentacules qui marchent. On est d'accord. Ça arrive. C'est la troisième fois que j'arrive à en garder un avec à côté de la bête. Alors bien sûr, ça a des inconvénients, hein, mais. Mais bon. Alors ça c'est très très problématique par contre. Parce que ok. Putain, ça me fait pas du tout envie de frapper parce que là il y a bloc. Lui il a bloc. Putain, je me suis foutu dans une mer de noir. On va essayer de rattraper ça. Toi, t'as pas bloc non plus en fait.
Il faut que je débarrasse lui, il faut que je débarrasse lui. Et il faut que je vienne blitzer lui. Le seul moyen que j'ai de faire ça, c'est de jouer la bête en premier. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. C'est pas grave. Enfin, ouais. Tu parles. Tu parles, Charles. Bien. Bon, il reste autre chose à faire. Il reste ça. Bien sûr qu'on va poursuivre. Il reste ça. On va rester. Toi, tu viens là. On laisse 2 dés là. Mais après, je viens de pousser là. On tente le tout pour le tout. Salut, casse-cool. Ah, oh, c'est triste. Et bien sûr, Shreff le hub est blessé. Tadam! Et le pire, c'est que lui, il peut marquer encore. Bah, la panique, c'est qu'en fait, il me restait rien d'autre à faire. La panique, c'est à cause de la bête. Je pouvais pas reculer. Parce que sinon, je me retrouvais sur le bord de touche et ça servait à rien. Là, ça a pas touché, donc ça a pas touché, et puis c'est tout. Non, non, pas trop de précipitation, pas trop de précipitation, je ne pense pas, non. Au contraire, peut-être pas assez en fait. Pas assez parce que 2 fois en fait je me suis cru tranquille et il y a eu des pots donc du coup voilà. Là ce qui est très embêtant par contre, non c'est qu'il me reste encore une chèvre. On a de la chance, j'ai encore une chèvre donc c'est pas trop grave. Après bah, il a blessé le tacleux donc pardon. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah non, c'est lui qui a. C'est lui qui attendait de faire un truc. Donc ça, c'est. Hop là. Ça, c'est rate le prochain match. Et ça, c'est rate le prochain match. Ça, c'est par contre, ça va me mettre vraiment mal dans la. Ça va me mettre vraiment mal. Ah non, le 1 sur la bête, c'était pas le bon moment. Après, elle a fait que 3 choses, hein. Durant tout le match, elle a fait que 3 mouvements. Hein. Et là, il va s'enfuir. Je pense que c'est dommage parce que l'elfe il pouvait encore espérer de faire des choses. Là il veut frapper et bon, ça réussit hein, donc on va pas. Mais voilà, ça c'est. Moi je fais pas de sortie en fait. J'ai fait un très joli premier tour et après rien.
Et quand je dis premier tour, c'est un KO sorti et un rate le prochain tour, donc. Bah allez, hein. Du coup, j'ai personne pour aller marquer là. J'ai pas une chèvre que j'ai oubliée quelque part, hein. Et je pense aussi que j'aurais dû. Ouais, non. C'est pas encore ça, mais bon. Puisque t'as décidé d'abandonner. Parce que t'aurais pu aller marquer, hein, Mary. Je pense que t'aurais vraiment pu aller marquer. On est d'accord que lui, il est bien. Oh, il est à relever, là. Il est à relever. Alors, on va éviter de faire les deux boss down. Toi, en vrai, je peux venir m'occuper de ta... je peux venir m'occuper de toi plus tard. Pas un truc, c'est dommage ça. C'est très dommage. T'as esquive, bah écoute, t'as esquive. On pourrait faire ça, ça n'a pas grand intérêt. Ça, c'est du 8+. Il y a ça qu'on pourrait faire, mais on va se faire sortir un joueur. Et vu que j'ai deux blessés, ça sert strictement à rien. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais oui, c'est ça. J'y ai pensé aussi un moment, mais c'était ramasser au guerrier, c'était trop compliqué. Il fallait vraiment que je gagne 3 cases, c'était quand même ultra chaud quoi. Parce qu'il était là, donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, et il fallait gagner 3 cases. Non, alors il fallait gagner une case plus les deux GFI. Oui. Et il fallait que je fasse des esquives dans tous les sens avec des 2 d'agi, donc. Je voyais pas trop comment le faire en fait. Non, non, je me suis mis dans le mal en fait. Je me suis déjà mis dans le... En fait, je me suis mis dans le mal tour 5 quand j'ai pas assez avancé. Voilà, j'aurais dû essayer de venir ici, même si la balle elle tombait. C'était beaucoup moins grave que les 3 esquives que j'ai dû tenter ou qui s'est terminé par un. J'avais fait le couloir et tout, donc je pouvais le faire en fait. Je pense que ma vraie erreur elle est tour 5.
C'est-à-dire que jusqu'au tour 4, en fait, j'ai joué dans le bas du terrain. J'attendais qu'il vienne, ce qu'il n'a jamais fait. Et il a eu raison. Donc voilà. Et après, quand j'ai dû avancer, j'ai pas avancé assez. Parce qu'après, hein, des brouettes de 6, ça existe, hein. Allez, 0-0 à la mi-temps. C'est pas glorieux. C'est pas très très glorieux tout ça. Bon, génial, mon chaos revient pas. Hop, on met la pause, voilà, parfait. Autopousse revient. Le chien non plus ne revient pas, mais bon. Donc ce qui veut dire que moi je n'ai absolument rien pour ramasser. Il va falloir que je ramasse encore une fois avec un zombie. Avec un zombie, avec un pourri. Parce que voilà, j'en ai fait un avec une bête. Avec une bête. Je fatigue ce soir. J'en ai fait un avec un pestigore. Et le tacleur bloc, il a fait que ramasser sur un malentendu, quoi. Il était toujours dans le bon plan, quoi. Car la case qui va bien pour aller marquer, enfin, voilà. Après, je vous dis pas, hein, ça, tout n'a pas été forcément ultra rose non plus. Mais bon, ça a été systématiquement ça, quoi. Alors oui, je pourrais le tuer, le tacleur. Parce que c'est trop tôt pour avoir un pourri bloc tacleur. C'est pas la ligue des Vioques. Maintenant, je l'ai gardé parce que j'ai pas de joueur d'emplacement. Et là, c'était des elfes. Donc il fallait vraiment que j'aie quelque chose pour essayer de d'emmerder ces esquives, quoi. Et après, le tacleur, il se fait sortir sur. Enfin, moi, je trouve sur un malentendu de ma part, parce que c'est vrai qu'il y a un 2D que j'ai pas vu venir. Mais quand même, quoi. Enfin bon, c'est ce que c'est, hein, de toute façon, c'est bout de boule. On va pas pleurer. On va juste chouiner un peu. Hop là. Le nul en fait Mirai contre Mairie, mais le problème c'est pas que. C'est pas ça. Le problème c'est qu'il me faut une victoire si je veux faire partie du carré final, parce que sinon. Ça va pas être possible, tout simplement. Par contre, les gars, j'ai pas assez. Mais il faut que je l'empêche de venir. C'est compliqué. C'est compliqué avec trois joueurs en moins. Là, ça va vraiment, vraiment être compliqué d'arrêter l'elfe, quoi. Il va falloir que je fasse des blessures. Il y a que ça. Il va falloir que je fasse des sorties. Des grosses sorties, quoi. Parce que certes, je peux empêcher le blitz ici, mais j'ai personne. C'est-à-dire que si là, il crée un trou sur les deux guerriers, je me fais enfler d'une force, ce qui s'installe ici, et je peux plus rien faire. Ah, le tacleur, tu parlais du sien. Si, mais bon, il l'a assez bien tenu en arrière, il l'a toujours tenu assez loin de tout. Après, moi, en vrai, son tacleur, je m'en fous un peu. Dans le sens où j'ai pas d'esquive, donc il pourra pas vraiment se servir de sa compétence. Après, je peux le tuer pour le reste, pour les copains, ça on est d'accord. Ouais, non, je me fais poutrer Artag. Enfin, je me fais poutrer, lui, il s'est fait poutrer, ça c'est. Il a failli mourir sur une esquive. Enfin, je dis il a failli mourir. Disons que j'ai voulu faire. J'ai eu un tour où j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et j'ai fait des esquives 4+, 4+, 3+. Et la première s'est déjà très très mal passée. La relance a pas du tout fonctionné. Donc à partir de là, j'ai perdu la balle. Et ça a été le drame là. Non, ça va pas parce que mes deux pestis, ils sont là. Et que c'était mon drive.
Et puis c'est deux rates le prochain match aussi. Alors que j'ai un pistique, je pourrais pas faire pexé quoi. Ah non, mais ça va aller, hein. Même si je me fais rooster, que je prends 4-0 sur la mi-temps, ça va aller, hein. Ah bah oui, ça, il faut poutrer plus, ouais. Et pourtant, j'ai essayé hein, de poutrer, hein. J'ai essayé de frapper intelligemment. Il y a juste un moment, je dis, voilà, c'est tour 5. J'aurais dû essayer de percer, même si je partais tout seul dans la pampa. J'aurais dû. Et j'ai joué conservateur sur ce tour-là. Et c'est. C'était pas le. Alors, c'était un plan. Il n'était pas déconnant. Mais en fait, j'ai manqué d'ambition. Et derrière, en fait, je prends des pots sur les gardiens. Sur les guerriers de Nurgle, donc. Donc, ouais, on va faire du poutring. Après, je veux pas chouiner, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de flèches. Oui, il aurait pu faire des répulsions. Là, j'en ai sorti aucune. Le match d'avant contre Autopus, j'en ai sorti. Enfin, le jeu m'en a sorti 3. Ce qui lui a niqué d'ailleurs deux blitz complets. Voilà, donc là, il a fait le trou. Bah, moi, mon petit Mary, je viens ici. Hein. Tu vois, tu viens de caler là. Je cours à 4 cases, je cours à 5 cases au centre. T'es tranquille, hein. Oui, c'est vrai que c'est un droit universel de tous les coachs de football. Ouais, moi aussi, j'essaye de chouiner que quand je gagne. C'est pour ça que vous m'entendez pas chouiner, en fait. Ou peu chouiner, je devrais dire. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Allez, ça va encore faire sortir, ça. Non. Ouais, mais quand tu chouines, les gens ils râlent. Quand tu chouines pas, les gens ils râlent aussi. Bon, après, c'est vrai que ça fait vraiment partie du spectacle. Putain, je m'étrangle. Oui, tout à fait, casse-cool. Nos ancêtres coachs ont... T'as un peu poutré, cousin. Bah écoute. C'était volontaire ou c'était pas fait exprès? À mon avis, tu t'es un peu embrouillé l'esprit, Mary. Moi, je dis, hein, je suis désolé, les copains, mais... Vous venez ici, hein. 1, 2, 3, 4. C'est tout DGFI. Enfin, je peux coller, mais après, c'est tout DGFI. Ouais, je serais venu, j'en aurais mis un déjà. Ah, 3 morts. Ah ouais, ça fait, c'est dramatique. 3 morts, c'est très relou. Parce qu'après, ça peut être compliqué, hein. Toi, tu vas venir là, toi, tu vas venir blitzer là. Tu vas faire tes petites esquives comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Toi ça, parce que vu que je vais aller poutrer en fait de l'autre côté, je sais que tu vas vouloir faire des choses. Toi tu te relèves. T'as ramassé la furie, donc on risque assez peu de se faire surfer.
Là, t'as tous les choix, donc on va pas jouer la bête, hein, tout simplement. T'as enfin tes 4 level up. Oula. Alors, à ogre dedans. Ouf. Ouais, c'est sûr, ça picote un peu. Et un gutter. Non, là, c'est qu'après, en fait, l'enjeu du match, c'est surtout le classement. C'est surtout le classement. Si on fait un nul ensemble, vu qu'on est respectivement 4e et 5e, ça va. Par contre, s'il gagne, lui, il s'envole dans le classement. Et si moi, je perds, je descends dans le classement très profondément. Enfin, très profondément, non, mais. Mais après, ça va être très compliqué parce qu'il faut que je pexe et contre ces foutues armures. Bon, après, c'est des armures 8, hein, donc c'est les meilleures des elfes, mais. Il faut vraiment que je pexe le guerrier qui me reste. Il faudrait que je pexe la bête. Et il aurait fallu que je marque avec les pourris. Les pourris, il faudrait que je marque avec les pestigores pour bien faire en fait. Et donc là, c'est mort. Mon seul espoir, ça serait qu'il y a soit un pourri, soit un guerrier de Nurgle qui, encore une fois, ramasse la balle sur un malentendu, que j'arrive à le protéger en étant en infériorité de 3 joueurs. Enfin, de 2, parce qu'il y a un joueur en moins qui n'est pas revenu, je suis sur son KO. Et ce pourri-là, j'étais obligé de le laisser là, parce que si je le ramenais là, il partait de l'autre côté. Enfin, bon. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'on bloque le trou. Ah, oui, je m'en fous des pecs. Mais si je peux avoir une garde ou un bloc supplémentaire, tu vois, ça sera quand même pas mal. Allez, vas-y, tue-le sur cette action. Fais-toi mal. Voilà. Bon, ça c'est sorti. Et encore. Et encore. J'aurais tellement envie de te surfer. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Est-ce que toi tu vas partir de l'autre côté? Donc. Ta bloc, mais ça m'arrange pas des masses. Tant pis, hein. On va poursuivre. On va poursuivre. Ça tient du monde. Je pense que c'est une erreur, mais c'est pas grave. Toi, t'as bloc. On va préférer faire ça. Tu peux passer ici, tu peux venir blitzer. Tu pourras quand même blitzer. Ah.
C'est marrant parce que là, je... Ah non, c'est un dé aussi. Et oui, après, je sais plus si j'ai dit ce que je pensais, c'est que pour monter au classement, il faut marquer des TD. Et vu que j'ai pas réussi à marquer sur mon tour, là, il me reste que les pecs. Alors après, je peux encore essayer de lui voler la balle, hein. Bonsoir, Alien. Et là, ça va encore sortir des 1 des pots. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de mettre ce pourri ici, mais c'était pour éviter qu'il puisse amener du renfort et venir blitzer ici. Le seul choix que je pense lui laisser, c'est obligé de reculer avec la Witch. Après, il peut quand même venir tenter de blitzer avec le porteur de balle. Hein. Il la bloque, hein. Enfin, elle la bloque. Je mets quand même du temps à lui courir après. Hein. Je pourrais peut-être la coller et encore. Voilà. Bon. Il y a ce 2D là, voilà, sa peau. Décidément, il... Ah oui, bah il veut repousser la bête, oui, forcément, parce qu'il veut libérer lui. C'est pas si mal que ça, en vrai. Moi, j'aurais poussé ici, mais... La bête toute seule, c'est vraiment une bonne idée. Oui, désolé, là j'ai pris les noms, j'ai juste rajouté les noms des coachs devant ce qui était proposé. Il n'y a absolument aucun jugement, aucune valeur, rien du tout. Par contre, mon pote, si, si tu bouges celui-là... Enfin, vas-y, moi je veux bien. Hein. Ça m'arrange. Hein. Tu dois le prendre super bien, Brikit. Ça suffit les esquives là, monsieur. Bon. Il y a du bloc de partout, donc c'est un peu hasardeux de venir la coller, mais il va quand même falloir que je fasse des choses avec. 3 4 5. On va quand même y aller, hein.
Alors le problème c'est qu'on se découvre vachement. Allez, une petite sortie. Tiens, je vous jure, ça me démange, hein. Ça me démange beaucoup. Et on va essayer de se garder un petit safety. Au cas où. C'est pas ultra optimal comme plan de jeu, hein. Ah oui, mais à la fin, le jeu va me dire que non, hein. Mais c'est clair que... C'est pas ouf, hein. Ma réponse ou Mais non, mais on sait très bien que le jeu troll. Ok. Bon bah là c'est bon. Il va construire son petit muret ici. On en met un ici, et on n'en parle plus. Non mais bah, il faut croire que, je sais pas, ces elfes jouent avec des pinces à linge sur le nez ou quelque chose comme ça. Et c'est le mien qui décède, hein. Ouais. Bon. Ça va faire quand même 3 jours en moins pour le prochain match. Ça va être tendu du string. Hein. Ça va vraiment être tendu du string. On a ça qu'on peut faire. On a ça qu'on peut faire. Par contre, si jamais ça échoue, comment je suis dans le mal? Ah, il aurait fallu que ça tombe. Si ça tombait, je pouvais faire un truc marrant, mais... il n'y aura pas de truc marrant, c'est tout, hein. C'est aussi basique que ça. Tant pis, hein, on sait qu'on va prendre un dé ici, hein, mais...
Salut cousin. Si, alors j'aurais pu avoir 2D, mais il fallait qu'ici ça tombe en fait. Parce qu'à ce moment-là, ce guerrier-là, je serais venu, je serais passé comme ça, tac. Et j'aurais pu venir coller. Alors il y avait des GF et la clé, hein, mais. Ouais, il aurait pu faire des flèches aussi. Bon, après, c'est un blitz indé, hein. J'ai juste. Non, si, non, si, il y avait juste le pot. Non, non, le problème, c'est. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que ça, c'est pas mon infirmerie, ça devrait être la sienne, en fait. Et alors, ça va être dramatique, parce qu'en plus, s'il prend le MVP, c'est la fin des haricots, là. Encore avec trois guerriers, je peux faire des choses, mais. Oui, il nous a dit que t'avais pris cher, cousin. Il nous a raconté ça. Parce que là, c'est pareil, il va falloir que je tape ici. Il faut que je frappe, il faut que je le tombe pour que je puisse venir blitzer. Ouais, enfin la dernière action débile, 4 plus, 4 plus, 3 plus, tu l'as vu, hein, elle s'est mal terminée. Mais j'avoue que la tienne est pas mal. J'avoue que la tienne est pas mal. Alors ça c'est couillu. Ça c'est couillu. Venir là-dessus, ça va, c'est pas mal. Bon, après, c'est vrai que ça te fait un 2D, hein, s'il y a répulsion. Bon, il n'y aura pas répulsion, et forcément, il tombe. Bah, ça joue YOLO, en même temps, il a raison, hein, vu les résultats. Là, je vois pas vraiment ce que je vais pouvoir faire pour l'arrêter, hein. Essayer de rester avec nous, non? Non, cette fois-ci, la tentacule ne fonctionnera pas. Alors. On va venir faire ça parce que ça ne mange pas de pain. Toi, tu vas venir coller ici, relever. Je peux essayer de venir en ligne droite pour essayer de coller. Et je peux imaginer faire ça. Pour venir lui casser les petons. C'est vraiment dommage que j'aurais pu. Ouais, bon, allez. Heureusement qu'il y avait un soutien. Hein. Je vous raconte pas la merde sinon. Allez.
Le pot qui va bien. Bien sûr qu'on poursuit. Allez. C'est un chaos. Ça, c'est plutôt bien. Hein. Et on peut essayer de faire une esquive 3+ au pourri. Et on vient ici. Bon. On va dire qu'on est, c'est pas le seul chatard. Ah bah on va se battre jusqu'au bout, hein. On va se battre jusqu'au bout, on va pas se mentir, hein, mais c'est compliqué. Après, hein, si... Si on continue de faire des chaos un par tour, peut-être espérer faire quelque chose. Bon, après, en vrai, j'essaye de lui faire peur pour le forcer à aller au plus vite à la ligne de touchdown, mais en lui compliquant la vie, hein, bien évidemment. Ah bah, s'il cumule répulsion double crâne, ça peut faire très très mal, oui. Voilà. Presque. T'es obligé de pousser. Bon, bah ça se termine bien. Hein. Allez, au revoir la witch. Adios. Ah non, pas break it, mais bon. L'appel de la buvette, qu'est-ce que vous voulez? Mon très cher Arta, il a dû recommencer à faire des promos. Au moins, t'es pas mort. C'est vrai. Allez, fais tes deux GFI, marque ton TD, là, qu'on n'en parle plus, que j'ai 3 tours pour essayer de remonter, là. Bon, en vrai, jamais il va le faire, hein, mais... Ah bah oui, là, il a aucun intérêt à faire les deux GFI, on est bien d'accord. Qui c'est qui est mort? Oui, je crois que c'est Thibolive. C'est ça. Mais bon, il était déplacé, donc... Ah! Un petit mort? Non, même pas. Enfin, je demande même pas un mort, en vrai. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est du 4 de mouvement, hein. Je peux même pas le blitz, en fait. Je peux même pas le blitz. Au pire, je peux venir le coller. Ce qui est quand même pas ouf. Ce qui n'est quand même pas ouf. Je regrette de l'avoir lu parce que maintenant je vais le faire. J'aurais dû attendre.
J'aurais dû attendre avant de vous lire. Mais c'est très bien vu, je l'avais pas vu du tout. On va rester. Eh ben Tintin. Oh! C'est... Ouais, bref. Bon, maintenant comment on remonte le terrain? Coup de 4-2 cases, mais c'est pas grave. Parce que lui il va me tomber dessus. Qu'est-ce que je fais? Je fais courir la bête? Non, il va quand même pas faire ça. Hein. Bah la passe, je peux pas trop la faire dans le sens où j'ai blitzé, hein, tout simplement. Parce que limite pour le push-push, en fait je voulais... Je pense que j'ai pas vu le push-push parce que depuis le début je voulais mettre un pourri ici au cas où. Mais c'est quand même une grosse chatte. Là sur cette action... Merci Alien. Tu crois qu'il a craqué? Là, vous êtes adorables, les copains. Pardon. Bien sûr qu'on utilise tentacule. Bien sûr qu'on utilise tentacule. Non, là où il va craquer, c'est quand je vais faire une passe. Tentacle is a lie. You think? Non, non, c'est, y a aucun problème. En fait, c'est surtout qu'il faut que... D'habitude, bon, bah voilà, la répulsion qui arrive au bon moment, elle va être relancée, hein. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Ah bah si, la seule raison, c'est qu'il a plus de relance. Pardon. Et donc, je disais... Putain, parce que là, ça veut dire quoi? D'habitude, enfin voilà, il faut... Je regarde pas le truc. En fait, et comme j'ai vu que ça défilait, je me suis posé des questions en vrai. You think? Parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être tenté de taper. Reste avec nous, toi. Enfin, j'ai dit reste. Ah, mais... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux même pas marquer. Je peux même pas marquer. Je suis bête. 7 et 7, 14. Je peux marquer à partir d'ici. Donc, je peux même rien faire, en fait. Ah non, non, je suis pas sorti de l'auberge, hein. On parlera même pas, mais on parlera même pas des 1D qu'il m'a fait. On n'en parle pas. Je veux dire, on les oublie. Ici, ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
C'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est soit je garde la balle. Et j'espère que de me faire frapper, il n'y a rien qui se passe. Ce qui est littéralement... Enfin, pas impossible, mais... Soit je peux essayer de tenter ça. Je frappe ici. En vrai, non, j'ai même pas besoin de faire ça. Putain, j'aurais probablement pu bouger la belle dit. C'est-à-dire que j'ai très mal compté parce que 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Non, si j'ai absolument bien compté. J'ai absolument bien compté. On va essayer de pas rester au contact. Et alors là où on va chatter, ça va être sur le 6 de la bête, quoi. Ça va énerver tout le monde. Mais dans le genre, ça va énerver tout le monde. Sans commentaire. Après, on n'est pas sorti de la berge. Tiens, je vais arracher un vieux nul à 0-0 sur un gros gros malentendu. Ouais, mais c'est ce que je disais à Artag. C'est pas mal, c'est vrai. Moi, après, c'était mon objectif depuis le début, dans le sens où j'ai dit, il faut que je fasse... Comme pour la CDV, c'est-à-dire que mon contrat, c'est de faire des... c'est de pas prendre des défaites. Bon, là, c'est quand même mal parti pour que je la prenne pas, mais... Après, encore une fois, la première mi-temps, je pense que je la maîtrise bien jusqu'au tour 4. Tour 5, je deviens peureux, et après, c'est mort. Je reste quatrième avec le... Mais tous les matchs n'ont pas été encore joués à Yancy. Ouais, il reste des matchs. Mais c'est vrai que le nul ferait que... Même pour Mary, finalement, de mémoire, je crois que ça l'arrangerait presque. Enfin, c'est pas que ça l'arrange, c'est que ça le dérange pas. On va plutôt dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, hein, t'as pas encore joué. Ok. Ouais, ça c'est normal. Après, tu viens taper avec la... Tu viens taper avec la furie. Ouais, je pense que j'y serais allé avec la furie dans le sens où... La double frappe. Ok. Le bon. Tu viens, tu frappes ici. Et t'espères récupérer la balle. Yes. C'est pas encore fini.
Tu viens ici, tu refrappes là. Non. Ouais, je suis pareil. Non, frappe là. Ouais, frappe là. T'en fous. Teu. Allez, le tentacule, faut que tu marches. Tu. Il n'y a plus de présence perturbante là. Ah si. Allez. Reste avec nous. Wouhou. Pardon, ça m'a échappé. Allez. Voilà, là c'est pro. Ouais. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que t'as dit, je sais pas. Incroyable chance tout en te laissant encore une relance. Oui. Bon, après il y a beaucoup de relances offensives que j'ai pas osé faire pour pas me faire pour pas me faire neufeliser. J'aurais pu hein, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu bon, avec des si on met Paris en bouteille comme on dit hein, mais voilà. En vrai. En vrai, on va venir faire ça. Il reste pas de tour. Il reste pas de tour. Donc. On vient faire ça. Non, on va pas faire ça. Ta furie, elle m'aura bien cassé les pieds. En vrai, je m'en fiche, hein. Ça n'a pas d'importance. Aucun échec, ouais. Vite fait, quand même, en mairie, vite fait. Ça, c'est juste pour dire. Allez, blessure! Non, ah, zut. Faut dire merci dans ces cas-là, Mary, c'est tout. Allez, c'est pas grave. Voilà. Bon, et ben oui, on a volé le match. Ça, y a pas de. On a volé le match. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a les boules parce qu'effectivement. Le blitz, il est. Il est ce qu'il est. Bon, c'est un pesti qui prend. Le problème, c'est que c'est un rat le prochain match. C'est pas ouf. Au niveau des SPP, on fait rien. Voilà, c'est ce qu'il dit. Hein. Benarot, il a quand même fait son boulot. Statistique, je me suis fait frapper par des elfes noirs, quoi. Je suis censé être Nurgle, nom de Zeus. Merci. Ouais, alors j'y ai pensé Alien de lui transmettre la balle à la Witch, mais j'ai pas osé en vrai.
que je pouvais pas et faire la transmission et faire le taper derrière. Mais bon. Rapidement, parce que je suis quand même très curieux. Niveau des GD. Ouais, c'est assez étrange comme on a des hauts pics sur les 6 et les 1. Je sais pas si. Parce que la courbe elle est quasiment normale. Hein. De toute façon, c'est une hyperbole comme d'hab. Hein. Enfin, je crois que ça s'appelle une hyperbole, je sais plus. Je suis allergique aux maths. Mais en tout cas, on a un pic sur les pushes. Hein. Ça, c'est sûr. Ah non, non, je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Je l'aurais pas vu. Je ne l'aurais pas vu. En fait, c'est même pas que je l'aurais pas vu. C'est que de base. De base, j'avais dit j'envoie un pourri et je vais tenter l'esquive. Voilà, c'est, je vais être très honnête. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Je peux prendre la sanction qui sera infligée, il n'y a aucun problème. Non, je l'avais pas vu celui-là. Mais j'étais même pas dans l'optique en fait de faire un push. Non, non, mais là-dessus, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Le truc, c'est qu'à partir du moment où je le sais, c'est et que j'ai effectivement ce que je voulais faire sur la Witch, il y a, je peux pas m'empêcher de le faire en fait. 8-21. Donc lui aussi, il a fait beaucoup de push. Hein. Bon après, ironiquement, il a fait quand même, statistiquement, on est à 29 et il fait 28. Donc voilà. Nous on fait 15. Donc voilà, le jeu me dit non, t'as eu des bondés en fait. Hein. Je fais 16, pardon, 16 et je fais 22, 22. Donc voilà. Et au niveau des GD, lui, il a quasiment un tracé plat. Enfin, c'est pas tout à fait un tracé plat, mais ça vaut ce que ça vaut. Enfin, bon, bref. C'est comme ça. À mon avis, il y a World of Blues qui est en train de. Oui, je valide le match. Parce que j'ai lu le chat et que j'ai joué en fonction de ce que j'ai lu. Oui, vas-y, appelle Artak, t'as parfaitement raison. T'as parfaitement raison, Alien. Hop, alors, où est-ce qu'ils en sont, les copains? Zut, c'est là. Ils en sont au tour 13, donc on va vite aller voir ce qui se passe de leur côté, hein, tant qu'à faire. Voilà. Que dire? Bon, et eh ben, c'est comme ça. Hop. On fait ça, on lance le raid. Ça sera fait, casse-cool. Même si c'est pas ce vers quoi je suis tourné, on peut faire ça. Si ça aide les gens, ça peut le faire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin des vôtres. Merci à tous pour la bonne humeur. Merci de m'avoir fait rire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à ciao, bonsoir.